Alors, je m'appelle Yvan Kliffen, j'ai 24 ans, je fais du kite depuis mes 10 ans, donc ça fait maintenant 14 ans. Alors moi, ce que j'ai trouvé super sympa sur la formation, c'est qu'on nous a appris à fabriquer et ensuite à aller dans des écoles, des primaires, apprendre à fabriquer aux jeunes de 5-6 ans. Et c'était vraiment intéressant de commencer par la base, vraiment la construction. Ensuite, on a pu évoluer, donc apprendre à des jeunes un peu plus âgés, de 11-13 ans, parce que c'était de la voile, enfin une voile à traction. Donc ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment top, du petit à l'adolescent et puis ensuite à l'adulte. Il y a aussi, la formation s'adapte assez bien à la demande, en particulier là en ce moment, du foil, qu'on peut pratiquer avec très peu de vent, donc ce qui nous sauve des fois des sessions. Et donc on nous apprend beaucoup à enseigner le foil pour justement se diversifier dans les écoles. Alors moi, je suis venu en formation là pour... D'une part, j'adore voyager et je trouvais que c'était vraiment un bon atout pour voyager et puis gagner de l'argent, continuer à voyager étant jeune. Ensuite, j'ai pensé que le BP c'était cool aussi pour l'avenir, pour si je veux revenir ici en France, me poser, pourquoi pas ouvrir une école, ou mon frère a une école ici, donc pourquoi pas enseigner avec lui. Et depuis peu là, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une section sportive aussi, créer une association et voilà, apprendre à des jeunes, comme par exemple il y a des sections sportives qui existent en surf aussi, il n'y en a pas beaucoup en kite encore. Donc moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup tout le long de l'année d'enseigner à des jeunes de collège ou de lycée.